طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم مجددا في منبر مبادرة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. اليوم 18 رمضان يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، والبرنامج اليومي بتاعنا اللي تأخر شوية بسبب التفاعل الناس الزيادة في معرض أبحاث الفضاء مع الباحث حذيفة بريما. فالآن حنبدأ نادي مخاطبة اللغة الفرنسية مع أساتذة اللغة الفرنسية المتطوعين، الله يديهم الصحة والعافية. أستاذ حسن عبد الله، تفضلوا استلموا. مساء الخير جميع الحضور، مرحب بكم في نادي اللغة الفرنسية. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes très ravis de vous rencontrer ce jeudi, le 23 mai, sur le plateau des chercheurs soudanais. Nous sommes ici devant les locaux de la Défense, dans la rue principale du quartier général de l'armée soudanaise. Nous continuons aujourd'hui le programme d'apprentissage et de débat en français. Comme je vous ai promis hier soir, on va recevoir chaque jour de nouveaux francophones, professeurs ou étudiants de français. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Bekri Abdallah, professeur de français de l'Université islamique d'Omdurman. Monsieur Bekri, bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui ai le plaisir d'être ici, de me retrouver ici. Merci Bekri. Je suis content aussi d'être avec Monsieur Khalid Idriss, professeur de français de l'Université d'Ilnilay. Bonsoir Monsieur Khalid. Bonsoir. Siez-vous. Nous sommes ici devant les locaux de l'armée soudanaise, entourés par des millions de gens, de jeunes gens qui sont venus de partout pour continuer les manifestations, parce que tout le monde est là pour réclamer la transition du pouvoir au civil. Tout le monde répète civil, civil, un mot qui est très très aimé ici. Monsieur Khalid, nous sommes aujourd'hui là sur le plateau des chercheurs soudanais pour parler un petit peu de l'actualité au Soudan. Nous voulons donner une image de ce qui se passe au Soudan. Il y a des milliers de gens qui nous suivent aujourd'hui en direct sur Facebook. D'abord, le plateau, c'est une initiative qui a été lancée par les professeurs soudanais pour activer pour aider les élèves de français, ceux qui apprennent le français, à venir pratiquer le français. Nous avons un programme des cours de français pour les débutants qui va se dérouler à partir de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la situation au Soudan. Monsieur Khalid, vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous venez ici? Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est très gentil. Et ça me fait un très grand plaisir de venir et d'être parmi vous. Et donc, pour répondre à votre question, c'est vrai, c'est une chose très importante de donner une image du Soudan pour que tout le monde puisse le suivre, évidemment. Donc, tout le monde de l'Europe, de l'Afrique, de tous les cinq continents, bien sûr, ont l'œil, bien sûr, tourné vers le Soudan. Et ont l'œil quand même
l'œil vers ce qui se passe ici au Soudan et ce que les jeunes Soudanais sont en train de vivre depuis le 6 avril ici devant le quartier général de l'armée, mais devant la fin de l'année dernière, ça veut dire depuis le septembre 2018, si mes souvenirs sont bons. Et donc, quand on est descendu dans la rue, c'était vraiment pour revendiquer la liberté de notre pays. C'était la liberté de pouvoir changer un gouvernement et le gouvernement du président déchu, Omar el-Bashir, et pour pouvoir instaurer un gouvernement civil. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et ce que nous sommes en train de revendiquer, parce que des milliers de bouches en train de prononcer le mot civil qu'on vient de prononcer, mon collègue lui vient lui aussi. Le vrai changement était depuis le 6 avril. Le 6 avril, quand le peuple soudanais a pu se mettre ici, bien sûr, et d'être par millions ici devant le quartier général pour maintenir la pression sur le conseil militaire qui est en train de diriger le pays et qui est aussi en train de négocier avec la coalition de la liberté et du changement. Donc en fait, je ne suis pas satisfait par la façon dont les choses sont gérées, évidemment, et parce que le conseil militaire, vraiment, il est inflexible vers en ce qui concerne l'instauration de gouvernement civil, d'un gouvernement civil. C'est quelque chose qui est déjà vu, que ce soit ici au Soudan ou que ce soit ailleurs. Et quand je dis ailleurs, je veux dire dans l'Afrique. Parce que, comme vous le savez tous, l'Afrique, c'est un continent dans lequel la dictature règne. Et c'est quelque chose bien dommage, j'ai envie de dire. Mais le Soudan va évidemment changer cette mauvaise image de l'ancien gouvernement qui a évidemment comme je le vois devant mes yeux, les jeunes gens se manifestent très gravement en fait. Ils sont en vocation d'entendre la bonne nouvelle, celle de l'instauration d'un gouvernement civil. C'est trop chouette. En fait, l'ambiance ici est très chaude, j'ai envie de dire. Donc, je vais reprendre. On a l'envie de changer cette mauvaise image de l'Afrique en général, du Soudan en particulier, par le fait de maintenir la pression sur le conseil militaire qui est en train de jouer, pas d'autre chose, qui est en train de perdre le temps. Donc, les gens qui sont là, en fait, ils sont motivés, mais par ce qui fait le conseil, c'est vraiment très dommage ce qui fait le conseil militaire. Merci. Merci, monsieur Khalid. Ça fait presque une semaine que les négociations entre
le Conseil militaire et la force de la Déclaration de la Liberté et du Changement ont cessé de progresser, ce qui a été expliqué par certains que le Conseil militaire n'a pas la bonne intention de transférer ou de transmettre le pouvoir aux civils. Quel commentaire avez-vous sur ce point, M. Bakri? Bonsoir encore à ceux qui, à celles qui nous suivent, qui nous regardent. À mon avis, cette inflexibilité porte plusieurs interprétations. Il faut donner des interprétations possibles à ce que le Conseil militaire fait et expose devant le peuple. Mon commentaire est le suivant. Le Conseil militaire ne veut pas donner à une transition à 100% civile et des civils qui vont gouverner cette période de transition. Pour, à mon avis, plusieurs raisons qui sont logiques pour le Conseil militaire et qui ne sont pas du tout logiques pour nous. La question pour les acteurs régionaux, par exemple, l'implication des soldats soudanais dans la guerre au Yémen, quand vous voyez maintenant le Soudan est tenu à défendre l'Arabie Saoudite au Yémen, par envoyer des soldats soudanais pour défendre et protéger l'Arabie Saoudite. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil militaire ne veut pas céder le pouvoir à des civils qui vont donner une priorité très importante à l'implication des soldats soudanais au Yémen. Et ça, c'est pas bon, ce ne serait pas du tout bon pour le Conseil militaire. Et d'autres raisons, je pense que l'Alliance pour la liberté et le changement a fait plusieurs avancées sur les dossiers et sur les acteurs et sur les revendications du peuple qui sont maintenant sur la table et qui sont en train de parvenir à ses fins. Oui, je vois que ce Conseil militaire, et pourquoi il est en train de faire perdre du temps, c'est pour gagner du temps à l'apparition des autres corps politiques qui prétendent avoir un rôle prépondérant dans le processus d'échanger et de mener cette révolution. Alors ça, je ne sais pas, à mon avis, je ne suis pas d'accord. Ça, pourquoi ces corps, où étaient-ils ces corps politiques avant la révolution? Que faisaient-ils? Donc, ils étaient corps côte à côte, d'un régime dictatorieux, d'un régime qui se plaisait à torturer, à briser les rêves et les ambitions du peuple soudanais. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent dire et se dire que voilà, on fait partie du changement qui est en train de se tenir au Soudan. Et c'est un moment historique dans l'histoire du Soudan. Et qui est en train de s'écrire. Et ça, autrement dit, il y a ceux qui disent que c'est une révolution. Il y a une révolution qui vient de s'être réalisée, mais pas encore obtenue ses dernières fins. C'est-à-dire ses dernières fins. Et pour aboutir à ses fins, aux fins de la révolution, le porte-parole, selon la plupart des peuples soudanais, c'est l'association
des professionnels soudanais avec le négociateur en Grèce et l'Alliance pour la liberté et le changement. C'est eux qui sont la porte-parole du peuple soudanais. Et les autres organismes et les autres cœurs politiques et qui sont en train de monter sur la scène soudanaise actuellement, aux yeux des Soudanais, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien à voir avec. Et je le vois, à mon avis, comme Aboubacar, sont des opportunistes. Des opportunistes. Et c'est une... cet opportunisme est très insolent. Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Il représente pour nous comme un rempart insolent devant le changement désiré et recherché par le peuple soudanais. Le conseil militaire maintenant, il ne peut pas gérer le pays au niveau au niveau administratif, comme les politiques le savent et le connaissent. On connaît très bien les contours du conseil militaire. Je respecte les militaires au sens strict du terme, quand ils savent gérer leur métier, c'est de défendre le pays et de garantir la sécurité interne et externe du pays, et non se retrouver au centre de l'appareil étatique. C'est une affaire des politiques et non d'un militaire. Non, un militaire ne peut pas gérer un pays tout entier. Vous savez comment ces militaires peuvent... nous avons déjà une expérience. C'est l'une des expériences les plus amères. Celle des frères musulmans à la tête des militaires. Du général déchu, Omer al-Béchir. C'est un général militaire et qui ne savait pas du tout gérer le pays. Et qui savait justement faire des surenchères politiques. Des accords entre autres et derrière le coulisses, qui se font en coulisses pour attirer ou recevoir la satisfaction de certaines parties, de certains lobbies politiques qui font ça et qui volent cela. Oui, vous avez une autre question? Merci d'applaudir très fort à M. Bakri. M. Bakri, vous avez parlé de l'association des professionnels soudanais qui a appelé le peuple soudanais à commencer une grève générale dans tous les pays si le conseil militaire n'a pas accepté de donner le pouvoir aux civils. Est-ce que vous croyez que la grève sera une solution pour le pays pour sortir de cette crise? Absolument oui. Vous savez maintenant, vous savez, qu'est-ce que se passe maintenant sur la scène soudanaise. Maintenant, le vice-président du conseil militaire, Mohamed Hamdan Daglo, qu'est-ce qu'il fait? Ils seront à des syndicats, à des travailleurs, et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'agiter la satisfaction des travailleurs, des professionnels. Pourquoi? Pour faire arrêter la grève. Mais non, ce n'est pas une affaire des politiques, des militaires, c'est une affaire des politiques. Et alors, c'est un échec à nos avis. À notre opinion, c'est un grand échec. Comment faire ou acheter la satisfaction des syndicats et qu'on dirige arrêter la suspension des syndicats soudanais et pour freiner la grève générale,
Alors, c'est un grand échec. On le comprend dès le premier regard, et dès que l'on entend, c'est un grand échec. Le conseil militaire ne peut pas gérer le pays, puisqu'il fait des politiques et qui sont connues avant tout pour l'inalphabet. Et comment quelqu'un qui a plusieurs choses qui pourrait faire cela, qui pourrait comprendre ça. La grève générale, ce sera une grève bien réussie. Ce serait une grève bien réussie. Et je n'emploie pas le futur ensemble, mais le futur conditionnel pour l'éventualité des événements. On ne sait pas qu'est-ce que serait passé sur la Saint-Sulpice. Merci encore, M. Bakri. Je pose la même question à M. Khalid. Est-ce que vous pensez que la grève déclarée par l'Association des professionnels soudanais pourrait aider la révolution à arriver à ses fins? Je ne suis pas sûr d'être arrivé à une fin, mais ce qui pourrait me donner la chance pour dire oui est la suivante. Qu'est-ce que c'est une grève? Une grève, ça c'est le fait d'arrêter, que ce soit le travail, que ce soit en général les activités. Et donc, une grève, c'est pour moi comme c'est étouffer la souffle d'une personne. Et quand on étouffe la souffle d'une personne, elle va bien sûr mourir. Et là, ça c'est pour paralyser le pays, on va arriver bien sûr à des conséquences qui conviennent évidemment au peuple soudanais. D'accord. Je pose une dernière question à M. Bakri. La devise de la révolution soudanaise, c'est la liberté, la paix et la justice. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Et pourquoi cette devise? Car ce qu'on manque, c'est ce que vous venez de dire. La liberté, la justice et la paix. La paix, tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a le carrefour, les monts nous bat, le nez pleut, alors c'est une guerre et qui est contre la paix, qui est l'antonyme de la paix, l'antithèse. C'est pour une raison raisonnable, pour une cause raisonnable et bien raisonnée qu'on a dit paix. La liberté, et quand on veut s'exprimer librement, il y a des contraintes imposées sur ceux qui veulent s'exprimer librement, sur ceux qui veulent critiquer. Dans le sens strict du terme critique, une critique salutaire, une critique qui est basée sur la logique, une critique qui vise à certaines politiques mal menées, c'est liberté. Et justice, vous savez très bien, le cœur juridique, ce n'est pas un cœur qui est vraiment vidé de son contenu. De son contenu. Quand on dit le corps juridique, alors je me ferai quand je me rends à la justice ou à la tribune, il y a un vrai manque de justice. La justice, c'est l'ancien régime. Le régime a pratiqué des violences inouïes sur le peuple soudanais, sur ceux et celles qui voulaient s'exprimer, sur celles et ceux qui voulaient dire, critiquer plus haut et fort. C'est pas car ces voix qui disent non, non à la dictature, non à la guerre, non à la discrimination, non au racisme et dans la société. Qu'est-ce qu'ils reçoivent en aval? Ils reçoivent une réponse à ces maires. Plus maires qu'on pourrait imaginer. Tu comprends? C'était un régime qui maîtrisait bien la violence farouche. Merci. Merci Bakri pour ce témoignage. Vous vous êtes expliqué de la manière la plus détaillée. Je pense que vous avez bien parlé, vous avez bien pu donner une image à ceux qui nous
regarde, à ceux qui nous suivent actuellement en direct. Monsieur Khalid, un dernier mot, parce que le temps, ça s'est passé très vite. Qu'est-ce que vous voulez dire à notre public francophone aujourd'hui au Soudan? La question, c'est de savoir quel rôle peut jouer le public francophone aujourd'hui au Soudan à la révolution soudanaise. Pour répondre à cette question, ma réponse serait la suivante. Le peuple francophone, que ce soit soudanais qui est vécu ailleurs, que ce soit en France ou que ce soit dans un pays francophone, il est extrêmement important de soutenir cette révolution soudanaise qui vient de voir le jour. Il faut la soutenir par d'abord la suivant. On suit ce qui se passe ici et on encourage quand même les manifestants qui viennent ici se mettre et même dormir par terre. Et là, je vois que ce sont des vrais... c'est bien dommage, en fait. Mais avec l'encouragement des francophones, ça peut faciliter l'affaire. Nous sommes arrivés à la fin de la séance d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. On va se voir très bientôt. Merci à vous et merci à tous les présents ici. Et à très bientôt. Au revoir. Avant de terminer, je pense qu'on a des intervenants qui ont peut-être des questions à nous poser. Bonnet. Je ne parle pas français un peu. Moi, je suis chanteur. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire en France? Est-ce qu'il y a violence française? Qu'est-ce que ça veut dire? Violence en français? Et qu'est-ce que ça veut dire en France? Oui. Donc, des violences, quand on dit violence, des attaques farouches contre quelqu'un ou contre quelque chose. Et quand on dit quelqu'un, ce quelqu'un se montre violent, comme Dieu le fait maintenant, alors c'est le mot violence. Bien, j'espère que M. Bakouya a bien répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions à nous poser? Allez-y. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier les trois intervenants ici, les trois révolutionnaires. Alors, ma question est quels sont les paris qui pourraient déterminer le futur de pop soudanais sur la scène actuelle? Nous avons deux paris. Le premier, c'est la désobéissance civile, et le deuxième, c'est l'intervention étrangère, c'est-à-dire il y a des pays qui sont contre la volonté du peuple soudanais. Alors comment est-ce que vous voyez ces deux paris et comment vous les analysez? Merci. Vous avez bien entendu la question? D'accord. Vous avez une réponse ou je passe à M. Bakouya? C'est une très bonne question, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est en train de vivre. Ça veut dire l'intervention étrangère, que ce soit par l'Arabie Saoudite, que ce soit par l'Égypte. Et donc ces deux pays sont des pays qui ne veulent pas voir un Soudan où la paix se règne dans le pays. Mais ces interventions, elles sont vraiment, j'ai envie de dire, elles sont faibles, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des interventions, mais qui ne peuvent rien changer. Parce que, comme vous venez de dire, que la volonté est
est à l'auteur, vous voyez. Et je pense aussi que la volonté prédera à la fin. Ça veut dire il va tout dépasser, que ce soit les interventions, que ce soit l'inflexibilité du conseil militaire. Voilà. Coquille, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, je ne suis pas d'accord avec le mot dit, hein, une intervention faible. Non, une intervention plus forte que jamais. Car quand on dit les pays du Golfe, on parle de l'argent. Et quand le pays des Golfes, on fait soumettre la des États-Unis d'Amérique à genoux. Vous voyez? Et alors, cette intervention doit être étudiée. Je ne veux pas qu'on fasse de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, c'est un camp, de la Turquie, du Qatar, des ennemis, mais plutôt des amis. Des amis. Je veux des intérêts en commun avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec la Turquie, avec le Qatar. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais jamais d'accord sur une intervention qui nuise à la souveraineté nationale du pays. Non, ce n'est pas votre affaire. Nous avons ici un peuple, nous avons un État uni. Nous avons un peuple qui a une volonté plus haute que celle des autres. Et... Oui, au niveau de l'influence, non, je ne vois pas ça, à mon avis. Merci, monsieur Bopi, d'avoir clairement répondu à la question de l'intervenant. Je passe à une dernière question. Une dernière question. Monsieur. Ça tourne. السلام عليكم. معليش اسمحوا لي انا هكسر البروتوكول بتاعكم، بس انا عندي مقترح صغير. بالنسبه لنا اللغه الفرنسيه ما يعني ما بابليك زي اللغه الانجليزيه، يمكن اغلب الناس يكونوا ما 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 الا زول بيكون بيعرف لغه فرنسيه يعني. فانا المقترح بتاعي انه الكوميك اللي بتتحدثوا عنه الزمن يتقسم على اثنين، جزء تتحدثوا فيه انتم بالفرنسيه بيور، والجزء الثاني يكون براكتس مننا نحن الحضور، مثلا تدونا كلمات نقوم منطقه وراكم، تدونا المعاني بتاعتها، تورونا كيف نتكلم يعني. فهو مؤثر وشكرا جزيلا. طيب شكرا للاخ صاحب المبادره. ناكد لكم انه كل مقترحاتكم حتجد مننا كبير الاهتمام ان شاء الله. ونوعدكم انه حنتجه في الموضوع ده بعد التشاور مع الزملاء في اداره المبادره ان شاء الله. دونك ميرسي افو اي تري بيانتو او ريفوار سي لا فان دو نوتر كلوب اجوردي. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم وحرصكم على الحضور. لكم التحيه يا شباب. شكرا. يلا مع السلامه. الله يخليكم.